raconter dans cette vidéo, Ben. C'est toujours toi. C'est toujours moi qui raconte, mais bon, c'est pas grave. Alors, cette vidéo, donc le vlog 9. De camping-car. À la base, ouais, une aire de camping-car, mais. Il y avait trop de monde, c'était les uns sur les autres. Ouais. On a attendu 17 heures, donc on a été faire 2-3 courses en attendant. Et après, on a décidé de partir ailleurs. Bah, on s'est fait un camping à la dernière minute, un petit peu plus loin à Alcocédré. Et on s'est calé, on devait passer plusieurs jours sur un spot donc en pleine nature, dans une pinède au bord de la mer. On y a été. On y a été, on a passé une nuit. Et on vous souhaite une bonne vidéo et on vous dit à bientôt. À bientôt. C'est un serpent sonnette, ça? Non. Allez. C'est joli aussi, ça. Ouais. C'est particulier, hein, la forme des roches. Ouais, ouais, c'est bizarre. Je ne suis pas sûr que ce soit des roches, c'est du sable, on dirait. Ouais. Alors, le sabot était dessus. Ouais. C'est celui-là, hein. Oui, c'est celui-là. C'est bon? Ouais, allez, c'est parti. Enlève ça, ça va être comme ça. Attends. Moi on voit pas, mais bon. Ah non, bah là on te verra pas. C'est non, bah laisse tomber, c'est pas grave. Hein. Fais un coucou à la caméra autrement. Non, allez, non, lève ta tête, c'est comme les gosses. Hein. Le rasoir. Attends, je vais chercher les ciseaux de coiffure parce que j'ai envie de saccager tout. Moi, je suis la marée. Alors, et le peigne, il est où? Avec ce qu'on a. Ouais, voilà. Nouvelle coupe de cheveux, impeccable. C'est plus court, on va dire. Ça rafraîchit, ça rafraîchissement. Ouais. Je vais ranger le matos. Yes. Aujourd'hui, on va se rendre à Las Moreas Camper Park Alcocébré. Une aire pour camping-car qui est pas loin de la mer. On va voir ce que ça donne niveau itinéraire par rapport à là où on est. 235 bornes. Ok. Prendre la direction nord. Ben, c'est parti, les amis. On va dire au revoir au Far West. Voilà. Bon, j'espère que vous vous portez bien. Et puis, je vous dis à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Va se charger de la belle camion. T'as une échelle là, derrière toi. Attends, je te l'avance. Attends. Voilà. Pour faire le panneau aussi. Ah, il y avait besoin le toit, hein. Je le rince. Bah, c'est cool. Et ma douche aussi. Ah bah ouais. Voilà. Au top. Jack. Ah oui, merci. Bon ben voilà, voilà pour ce qui est du Karcher, la séance de lavage du Mamas. Un bon Karcher, très bien. Allez, c'est reparti.
etc. La totale. On va voir. Je vais dans un camping. J'adore rentrer déjà. Et de l'autre côté, il y a la mer. Donc, du coup, on s'est arrêté là pour cette nuit. Hein. On a trouvé un emplacement. Donc, on va payer un certain prix pour pouvoir bénéficier des services. Mais bon, c'est pratique. Hein. Il y a pour vider le WC juste à côté là. Et il y a aussi le bloc sanitaire qui est juste derrière. Donc, c'est très bien. Pour une nuit, je pense qu'on va être pas mal. On a aussi l'électricité. Juste là. L'électricité. Comme ça, je peux recharger la batterie. Et tout le reste. Comme ça, demain matin, on repart. Pour de nouvelles aventures. Tu fais le café? Quoi? Tu fais du café? Ouais, j'essaie de faire marcher la cafetière, à mon avis. Ouais, parce que la cafetière est en panne. La petite cafetière qu'on avait, qui était bien pratique, elle est en panne. C'est chiant. Il faudra que j'essaie de voir si je peux... Pour en trouver une autre, c'est difficile. Je vais essayer de la réparer pour voir. Bon, on n'aura pas le temps. Hein. Bah ouais, c'est sûr. J'espère qu'elle va remarcher. Tu me tiens au courant, de toute façon. Bon, allez, je vais aller vider les WC. À plus tard. Alors, ce soir au menu... Je vais faire des pâtes au cep avec du fromage espagnol. Là, j'ai fait cuire les pâtes dans le jus, enfin de l'eau de cuisson, enfin, pour les cèpes, parce que c'est des cèpes déshydratés, donc je les ai réhydratés et j'ai utilisé donc l'eau des cèpes pour cuire les pâtes. Je vais utiliser cette fois-ci le roux que j'ai fait la dernière fois froid avec un liquide chaud pour épaissir pour faire la sauce des cèpes, du sel. Et du fromage espagnol. Donc là, les pâtes, elles sont prêtes. Je vais les égoutter avec le restant d'eau à l'intérieur qui va me servir aussi pour la sauce. Du coup, j'égoutte le restant de pâtes. Voilà. On va juste récupérer du jus, des cèpes. Le liquide est chaud. Je mets le roux. On mélange. Celle tout de suite, hop, et après on va avoir une bonne sauce dans laquelle je mettrai les cèpes tout à l'heure. Hop. Ce sera peut-être mieux. Hop. Voilà, ce sera plus simple. Et bon, c'est surtout que j'ai faim. Ah bah ça, bah moi aussi j'ai faim. Fait qu'un repas par jour, hein. Mais un bon repas. Oui bah c'est parce qu'on le veut bien. Ah oui, oui. Ah oui, c'est un choix. Hein. C'est parce que on pourrait manger comme tout le monde, matin, midi, soir, grignoter entre les repas, manger toute la journée. Hein. Et, voilà. Donc là la sauce, elle va être prête. Puis nos assiettes, je trouve qu'elles font très Espagne, bizarrement. Voilà. T'as vu? Ah oui, je trouve aussi. Les pâtes là. Voilà. C'est bon les pâtes. Et là. Et la sauce. Voilà. Avec des cèpes. Ah, oui, oui. Attends, j'y vais. Oh, voilà. Je vais doucement. Là. Là aussi. Voilà, les cèpes. C'est bon, c'est bon. On va dire au revoir au perroquet avant de repartir. Voici Coco. Hola Coco. Bon appétit Coco. Hola. Coucou.
Tu vas bien? Hola. 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 Adios. Adios. Voilà, c'était Coco, le perroquet du camping. À droite, c'est la mer des Baléares, les amis. Ouais. On n'y a jamais été. La première fois qu'on va découvrir cette mer. On va trouver un spot gratuit là. Normalement, oui, une plage, à côté d'une plage ou dans une pinède, ouais, c'est ça. Au bord de la plage, dans une pinède. Bon. On vous tient au courant pour la suite. Ouais. Au revoir, camping. À freiner parce qu'il y a un mandarinier là. Ah bah oui, des tu agrumes gratuits. On va pas rester dans le virage 15 ans. Non. Prends celles qui sont pas trop. À gauche, à ta gauche, regarde en haut. Il y en a une. Et en bas. Si elles sont pas trop abîmées, hein, en bas, regarde. C'est bien, hein, les mandariniers sur le bord de la route. Voilà, ils sont comme ça, sont bons. Mmh. Impeccable. Attends. Je mets ça dans ton sac. Ouais, vas-y. Et voilà, ça sent bon, ouais. Je vais peut-être pouvoir faire un sirop avec ça. Sirop de mandarine. Ouais. Ça, ouais. C'est le bonheur, hein, regardez au milieu de rien. Il y a des mandariniers là-bas aussi. Ouais. Ça, c'est le bonheur. La nature est généreuse. Nous voilà arrivés sur le spot qui est au bord de la plage, dans la Pinède. On va être bien là, on va séjourner quelques jours ici. Je pense que ça sera bien. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu le lieu vite fait. Voilà. Y a pas de service, si, à part des conteneurs pour les ordures, mais en dehors de ça, voilà, on n'a pas besoin de plus. On a du soleil, on a refait le plein d'eau tout à l'heure. Là, on a quelques voisins, mais voilà. Et qu'est-ce qu'on a au loin? La mer des Baléares. Donc là, pouvoir descendre à pied tranquillement. Il y a un petit sentier. Voilà, tranquille. On va être bien. Une belle piste cyclable en plus. Impeccable. Top, top, top. Ça
c'est top, c'est top, c'est top, c'est top, comme dirait Vong. Bisous Vong. Voilà, on est arrivé, hein. On va être bien là. Grave, un peu de travers. Ah, elle veut sortir. Ouais, bah, l'autre aussi. Mmh. Bon, elle sortira tout à l'heure, on va boire le café, s'installer, ouais. Tranquille. Et après, on va détricoter. Ouais. Ouais, bah, ouais. Allez, à toutes. À toutes. Ouais. On va essayer avec les graines. Fais voir le type de graines. C'est ça. Oui, c'est des graines de tournesol. C'est ça. Oui, parce que faut pas donner de pain aux oiseaux, hein. C'est des graines qu'il faut leur donner. C'est le mieux. Ouais. Ouais. On va voir, on va attendre que. Comme à la pêche. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Peut-être qu'on croisera des oiseaux. C'est la pie. Ça fait un bruit bien particulier, la pie. T'as le perroquet, c'est mort. Hein. À gauche ou à droite? À gauche. Ok. Regarde. Ouais. Fleurs. Ces fleurs-là, je les connais pas non plus. Ah ouais. Oh bah putain. Alors, j'ai failli glisser. T'as failli tomber. Ouais. Enfin, j'ai glissé, j'ai failli tomber. Ouais, ouais, ouais. Et ouais. Ouais. Ok. Ah oui. Ah c'est chouette. Ouais. Bah moi je vais voir si je peux pêcher. Ouais. Voilà donc la mer des Baléares. Ouais. Il y a même des phénix. Ah ouais. Là, regarde. Ça, c'est des phénix. C'est la famille des palmiers. Hein. Ils sont tout petits, mais quand ils vont grandir, ils seront gigantesques. Il y en a un petit peu partout là dans les bosquets. C'est marrant. Ma canne à selfie. Ouais. Bon, toujours les cheveux dans le vent, moi. Ça, c'est incroyable comme les cheveux sont. J'écoute plus rien puisqu'on est en vacances. Bah ouais. Ah, bah c'est le vent, hein. On peut rien faire contre ça. Oh là 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 là. C'est beau.
très très beau les amis. Et la mer des Baléares, c'est vrai, comme on l'a dit, on ne connaissait pas. Vous faites à 380. Il y a Ben qui regarde s'il peut pêcher demain. C'est ça? Tu regardes si tu peux pêcher demain? Ouais, je regarde où est-ce que je pourrais me caler pour pêcher et puis pour que l'eau puisse devenir. Ouais. Ben là-bas, regarde. Enfin. Tu vois, on peut marcher sous les rochers là-bas. Marcher tout le long de la mer. Ouais, ben grâce à la piste cyclable. Ça sert aussi. La roche, ça sert aussi pour les piétons. Là-bas, oui, on dirait qu'ils ont creusé. Bah, ils ont creusé, regarde. Ouais. On va se rapprocher d'un peu plus près. On va voir ça de plus près. Et de l'autre côté. Ouais. Ah bah oui. Oh, c'est beau. Ah oui, c'est toi que je regarde. Avec du cheveu. Dans le vent, bah, regarde. Bah oui. Non, il y a transparente. Hein. Ouais. On va continuer, bébé. Ouais. Creusé par l'humain. C'est ça. C'est pas naturel. Non. Mais bon. Goût, là. Traverse la faille. Ah, creuser, oui. J'en passe. Ouais. Dommage. Hein. Non. Bah ouais. Kosovo del Borno. Non, c'est Casa. Casa Rura. Casa Rural. Del Borno, oui, c'est Casa Rural del Borno. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Oh. Ah. Ben. Ben. Ouais. Ah oui, il y a une tour. Ouh. Ouais. Ouais, c'est un restant de tour, quoi. Ah, ouais, ils étaient beaucoup attaqués, hein. Je pense que tu as vu, ils avaient plusieurs endroits, il y a des tours. Ouais. Il y a quelque chose, on va essayer de lire. Ouais. Si c'est en anglais, en français, en anglais. On va voir ça. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voici Ben qui se bat avec le panneau solaire pour l'inclinaison. Franchement, c'est pas ouf. Non, c'est pas. Moi, je le conseille pour ceux qui partent le week-end, mais pas pour. Faut constamment l'incliner. C'est un tas de tralala. Il y a une valise qui doit le tenir. Ça tient que la moitié. C'est le problème du solaire. Le solaire, c'est pas. Le solaire, c'est pas ouf. Il vaut mieux du photovoltaïque. C'est ça. Toute la journée, il se bat avec son panneau. Moi, j'approche pas parce que sinon il va prendre des coups de pied. Il va prendre un coup de sol. C'est me connaissant. J'ai pas sa patience. Ouais. Non, c'est mais c'est pas. Ouais. Là, tu vois, je me sens pas. Parce que là, on a la glacière qui tourne. Voilà. Ouais. Donc, on l'éteint la nuit. Et le reste pour la télé, ben, avec le panneau qui est sur le toit, le soir. On te souhaite bon courage, Ben. Ah ouais, merci. Bonjour. Bonjour. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Ouais, je l'espère aussi. Ouais. Voilà, on m'attend toujours pareil, les petits commentaires, le petit pouce qui va bien. Ouais. Et des nouveaux abonnés. Et des nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à poser les questions que vous voulez, parce que je vois que vous êtes un peu timide. Donc, on vous répondra avec plaisir. Ouais, du coup, dans la prochaine vidéo, on va vous expliquer un petit peu pourquoi. On va être obligé de partir de cette belle pinède. Ouais. On va repartir de la pinède. Il y a plusieurs raisons et voilà. On vous en parlera dans la prochaine vidéo. Voilà. C'est pas toujours tout rose, mais bon, c'est pas des problèmes graves, mais on aimerait de temps en temps rester plus longtemps, 4 jours à un endroit. Ouais, ouais. Mais comme on a fait dans le désert. Ça paraît difficile pour le moment. Ouais. Voilà. Mais ça va s'arranger. Oui. Et ben on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo.